Donc là voilà le traducteur avec trois fonctionnalités enfin, essentielles qui sont la traduction de discours, donc la traduction vocale en temps réel, très très bonne je trouve. Donc les paroles sont très bien comprises, le text-to-speech en fait est excellent, donc il y a une très bonne reconnaissance hein, de la voix. La traduction de photos, donc ça on peut par exemple prendre avec la caméra arrière des photos de documents pour pouvoir les traduire en fait, hein, style des panneaux ou des choses comme ça, des indications quand on est dans des pays étrangers. La traduction ici hors ligne. Voilà, donc il y a quelques langues qui sont disponibles en traduction hors ligne, et ça c'est plutôt cool. Donc on va aller dans la traduction donc anglais à français. Vous voyez qu'ici en fait anglais est orange, français est bleu, et sur le bouton en fait de navigation on a un micro orange, un micro bleu. Donc si on veut parler dans la langue anglaise, on appuie sur le micro orange, donc ça va traduire d'anglais à français. Et si on veut faire l'inverse, donc parler en français pour que ça traduise en anglais, eh bien, on appuie ici sur le bouton bleu français à anglais. Voilà, là, je vais dire une phrase bateau. Bonjour, madame la boulangère. Voilà, vous Good voyez? morning, Baker. La Baker. Donc la traduction est vraiment bonne en fait, hein, vous voyez, ça a compris vraiment la phrase que j'ai dite du premier coup. Donc là, on a vraiment un niveau de précision sur les traductions qui est excellent avec cet appareil. Hop, ouais, je manque de batterie, voilà. Donc vraiment sympa, ça se connecte au Wi-Fi. Il y a des langues en mode non connecté, mais ça se connecte globalement. Au réseau Wi-Fi et voilà, moi je suis vraiment vraiment surpris par la qualité de cet appareil et vraiment la précision en fait hein, des traductions qui est vraiment vraiment bluffante pour le coup quoi. Voilà, je suis très content de mon achat.